À tout ça, et puis chercher à s'améliorer en 2015. Amen. Amen. Ça, c'est important. 2015 va pour nous une année de victoire. Les échecs vont nous amener, donner une expérience. Ça, c'est important. Là où on a joué, ça va nous apporter une expérience et par rapport à ça, aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment important. Moi, ma prière, je prie toujours Dieu, que Dieu nous fasse la grâce. Que Dieu permette que ceux qui peuvent entrer en 2015 avec moi partent avec moi en 2015. Ça, c'est important. Merci. Bon, souvent, adresser la prière à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas vous suivre partout et pas, n'importe comment. Vous savez, quand tu veux bénir une personne, Dieu te rend compte d'une connexion. Dieu ne descendra pas sur la terre. Dieu envoyera des individus qu'on appelle un collaborateur qui vont vous aider. C'est pour ça que Jésus-Christ a eu 12 disciples. Jésus a été ici. Et malheureusement, parmi eux, il y avait un démon. Jésus nous reconnaît qu'il y a un démon. Il n'a pas traité le problème, mais le démon l'a envoyé où? À la croix. Et c'est cet individu-là qui va vous amener à la croix. Qui diront, crucifiez-le. Qui diront, j'essaie pour l'attraper. C'est pour ça qu'il faut savoir qui tu marches. Et ça, c'est très important. Amen. Amen. Celui avec qui tu marches, vous devez avoir la même vision, la même manière de voir les choses, sinon, celui qui va te renverser. C'est pour ça que la Bible déclare que si deux personnes marchent ensemble, ils doivent s'entendre. Là où vous n'avez plus la même vision, ce n'est pas la peine de forcer les choses. Il y a des choses qui ne doivent pas se forcer. En matière de vision, de collaboration, si ce n'est plus la même manière de voir les choses, c'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, c'est pas toi de l'ordre. Amen. C'est quand Abraham sentait que Dieu l'a appelé, mais malheureusement, il était tellement amoureux, il est parti avec l'autre. Il part avec l'autre, son neveu, il part avec l'autre. Il a eu toutes sortes de difficultés. Dieu dit, c'est pas toi de l'autre. C'est quand Abraham s'est séparé de l'autre, Dieu dit, regarde, je te donne ce territoire en héritage. Toutefois qu'il y avait l'autre, Abraham avait tous les problèmes, toutes sortes de difficultés. Donc, l'autre symbolisait le voile.
Il y a des personnes comme si ce n'est pas le voile dans votre vie. Leur présence symbolise le voile. Amen. Ils vont bon faire, mais leur présence sera que vous n'irez pas loin, vous n'irez jamais loin. Parce que dans leur manière de faire, vous les sentez, ils ne vous aident pas, c'est des gens qui sont à l'origine d'une information, juste pour vous détruire. Et quand vous apprenez ce qu'ils font, d'autres disent non, ils vont changer. Non, il y a des choses. Une fois, tu sais que le monsieur ne va pas de la même vision que toi, c'est pas pareil. Et moi, c'est ma prière. L'an 2015, c'est pas tout le monde qui va m'envoyer en 2015. Non. Amen. La vie, c'est pas un jeu. C'est pour ça qu'il y a une fraction de secondes à plus près de la vie. C'est pas un jeu. Pendant que les gens avaient peur, Jésus dit, celui-là, il était un démon, celui qui va me livrer. Mais il n'a pas réglé le problème des démons. Moi, je sais que tu étais possédé, je règle ton problème. Jésus n'a pas réglé le problème d'un possédé. Et c'est le possédé qui dit, je sais vous l'attraper. Et il allait attraper Jésus à Gethsémanie. Dans la présence de Dieu, il n'avait pas eu peur que Jésus allait prier, que cela allait attraper Jésus. Il a montré le secret à Jésus. Donc, il faut savoir avec qui tu marches. Ne marche pas avec n'importe qui. Voilà, ne marche pas avec n'importe qui. Pour ça, les gens viennent ici. Moi, je sais ce que sont l'espionnage. Je vous connais. Je vous laisse le temps d'espionner. Je vous laisse le temps d'avoir des informations sur nous. Je ne vous dis rien. Mais vous allez rencontrer Dieu demain. Parce que moi, je sers Dieu. Je connais. Il y a des gens, même il y a des policiers, qui sont venus enquêter pendant des mois sur nous. Parce qu'ils pensaient autre chose. Et puis il y a des gens qui m'ont appelé un moment au ministère de l'Intérieur pour dire, nous avons envoyé des policiers enquêter sur le résultat qu'ils ont fait, qu'on fait ressortir de leur enquête. Voilà. Vous comprenez? Donc moi je sais, il y a des gens qui viennent ici pour espionnage, il y a des gens qui viennent ici, ils n'ont pas d'autres bonnes intentions. Je vous regarde. Je vous regarde. Amen. Mais vous voyez, nous servons Dieu. Et c'est ça que je te demande aujourd'hui. Nous avons une année qu'on appelle 2015. Ce n'est pas une petite année, c'est une année puissante. Il ne faut pas trimballer. Vous voyez? Tes difficultés sont parties de quelqu'un, parce que tu ne savais pas. C'est-à-dire que le diable peut-être a eu une information. À partir de cette information, il a commencé à décrire beaucoup de choses. Lorsque Hérode a reçu une information venant des mages, c'est comme qu'il savait, il connaissait l'importance de l'étoile. Amen. Oui, et il savait que l'étoile appartenait au roi. Et il n'aurait pas de mauvaises intentions dans la tête, c'était d'aller adorer, apporter quelque chose au roi. Enfin, le roi-mère, en personne, lui, il avait des mauvaises intentions. C'est pour ça qu'il ne faut pas partager une information à n'importe qui. Celui qui cherche à avoir une information. C'est pour ça que moi, quand je vois quelqu'un qui cherche à creuser, parler, il dit, mais c'est pourquoi? Qui cherche trop, il dit, c'est pourquoi? Qui me pose trop de questions? C'est pour gagner quoi? Non, il m'a dit, mais pourquoi? Je ne suis pas obligé. C'est pour ça qu'il faut avoir des secrets, ce qu'on appelle des secrets d'État. Vous savez que le pays, la première nation, surtout telle que les États-Unis, mise beaucoup sur la conscience avec les renseignements généraux. C'est à partir d'une information qu'on peut attaquer quelqu'un. Vous savez, évitez, quand vous causez, là, même ici, évitez de parler, parler, parler. Là, vous savez pas qui vient ici, ici, là. Beaucoup en sorcellerie, vous savez pas. On m'a bien saisi. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Ils sont rentrés dans la maison d'un roi, le roi dit, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais il est pas derrière un roi. Ah bon? Il est né et tout. Et on indique le roi et tout, ça dit, mais allez m'adorer, chercher des informations, c'est tout. Juste le temps de tuer Jésus. Évitez de trop parler. Il faut savoir ce que tu dis. Quand tu es avec quelqu'un, il faut savoir ce que tu dis. Tu es bref. Ta vie, là, ça ne concerne que toi et Dieu. Voilà. Tu vas parler, il va te faire quoi? Tu vas lui dire, dans l'endroit, il va t'apporter quoi? Vous aimez tellement aux gens, quand vous ne maîtrisez pas une personne, il faut te confier difficilement avec cette personne. Amen. Amen. La personne avec laquelle on veut plus pour parler, c'est Dieu. Parce qu'il peut régler les problèmes. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Parce que Joseph parlait beaucoup. Il s'est trop enlevé. S'il avait gardé le secret, il s'est réveillé même matin, il partage son rêve aux gens. Il partage un rêve qu'il a eu. Il réunit toute la famille, il partage. Même ta famille. C'est pas tout le monde, c'est pas tout qu'on va même partager à la famille. Alléluia. Lorsqu'il a partagé cette révélation du son qu'il venait d'avoir, qui était sur une voie d'élévation, ses frères l'ont conduit, il est venu en bourse. Ils l'ont d'abord jeté dans le puits, et puis l'ont vendu, c'est bon de la sorcellerie, ils l'ont vendu. Heureusement pour lui, il avait Dieu avec lui, et Dieu l'a béni après. Mais ils l'ont vendu à cause d'une information. Donc, soyez beaucoup discrets. Amen. Amen. Tu veux entreprendre quelque chose, que ça va écrire du marche, tu veux entreprendre ça. Non, c'est parce que c'est mon frère. C'est ton frère, tu vois. Ça peut te prendre l'un de l'autre qui vient
avec lesquels tu vas démarrer une affaire. C'est ça que moi, je ne fais jamais affaire avec toi. Jamais. Je sais que quelqu'un d'autre. Là, au moins, il a peur de mes trucs. Si c'est qu'il touche, il touche là, il va le mettre en prison. Un parent va prendre ça comme pour lui, il va manger, il va te dire, tu vas me faire quoi, ça va m'envoyer en prison. Quand tu vas le mettre en prison, on va dire, mais il a mis son frère en prison, tu es sorcier. Je ne sais pas qu'il devient sorcier. Il ne voyait pas l'aspect, il a gâté mon affaire, c'est toi qui a commencé à détruire. Donc, quand vous voulez investir, il faut savoir qui fait l'affaire. Il faut beaucoup réfléchir. Amen. C'est pour ça qu'en 2015, il y a un truc ici, une affaire ici. Nous allons prendre le temps de vous écouter. Quand vous voulez démarrer une affaire, nous allons prendre le temps de prier tout ça. Et pour vous orienter en matière d'affaires, vous orienter, vous aider, vous, n'est-ce pas, vous aider, suivre à un moment tout ça. Parce que c'est vraiment important que vous arriviez à investir en Côte d'Ivoire, ici dans notre pays. Il y a maintenant, il faudrait qu'il y ait un suivi. Voilà, il faudrait qu'il y ait des ordres qu'il faut. Vous conduit dans cette bénédiction. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Je suis beaucoup fatigué. Il faut y avoir trop de mouvements, trop. Depuis hier soir, elle est mignonne, je dis ça. Depuis hier soir, je commence à avoir des céphalées, des fatigues, au niveau de la tête. Je ne repose pas. J'explique parce que quand je vous quitte là, je prie. Je prie, j'attaque les sorciers la nuit. Et ils mangent la nuit. C'est la nuit non légère. Il te donne un peu les attaquer, il n'est pas que tu aies des problèmes. Donc on se sépare. Moi, je n'ai pas une, j'ai pas de vie. Je prie, je suis beaucoup fatigué. Il y a eu trop de choses faites. Mais comme ce programme destiné à des femmes qui n'en font pas, n'est-ce pas? Et puis quoi encore? Ceux qui doivent voyager? Non, ma chère, elle va les affaires. Quoi? Les affaires, voyage. Amen. Nous sommes en train d'améliorer nos programmes. Nous sommes à quelques jours de 2015. Les choses vont changer en matière d'organisation. Ici, au niveau de notre centre, ici, il y aura maintenant, désormais, tout passe par ici avant d'aller à Zaroko. Tout. Si tu allais à Zaroko, moi, t'as ramené d'abord ici. C'est à nous de décider qui doit aller s'incarner à Zaroko. Amen. Voilà. Vous n'avez pas dit quand vous venez, prenez vos bagages, venez ici. Non, ici c'est pas un lieu où on prend bagage pour venir. Vous venez, on vous écoute. On sent que vous devez aller à Zaroko, on vous oriente à Zaroko avec un suivi. Voilà, parce que nous sommes en train de nous organiser. Celui qui est parti à Zaroko, il va vous demander de revenir ici. Je vois beaucoup sur des choses, je ne dirai pas des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses, vilaines choses qui sont passées à Zaroko, qui sont dans les oreilles, qui sont en train de régler, et c'est pas bon. Notre image, c'est pas bon, notre image. Donc tout doit passer par ici. Tout doit passer par ici. D'abord. Tu viens où? Même si tu es quitté dans un village, tu vas d'abord venir ici. On va d'abord t'écouter avant de t'orienter à Zaroko. Vous savez, notre Dieu, on prend l'enfant s'il vous plaît. Voilà, prenez l'enfant. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Le Dieu que nous prions est un Dieu d'ordre. Nous devons respecter nos lieux de prière, de culte, et nous devons respecter Dieu. Quand nous le servons, ça veut beaucoup de respect. Parce que Dieu, c'est pas un camarade, c'est pas notre camarade. Si on les sert avec beaucoup de respect. C'est comme ça la Bible dit envoyera beaucoup de bénédictions. Donc, si dans un endroit, vous marchez avec des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui ne respectent pas un endroit de prière et qui pensent que là-bas, on doit faire ce qu'on a envie de faire, c'est souiller la présence de Dieu. Et c'est une malédiction. Donc, si on ne prend pas des mesures, ça serait grave pour nous-mêmes. Parce que Dieu risque de se retirer de nous. Oui. À cause de Adam. Dieu s'est retiré du peuple d'Israël. Ils sont perdus devant un petit pays qu'on appelle Haï. En tant que Dieu, Jéricho. Donc il y a des choses avec lesquelles on ne va pas jouer. Les choses de Dieu sont sacrées. Sont sacrées. Donc quand quelqu'un est conscient, ou est-ce qu'il disait ce matin, quelqu'un dit, une organisation humaine, elle a ses règles, elle a des lois. Et une organisation, une chose spirituelle, c'est des décisions. Il faut prendre. C'est pour ça qu'elle parle de l'autre côté. Je le dis, avec elle, y compris sur Dieu. Là-bas, quand tu désobéis, mais tu n'as pas oublié que tu as envoyé ton totem, Shabbat, pour que tu aies les boutons sur ton corps. C'est comme ça. C'est une loi. Tu as joué Dieu de femme. Et je disais à quelqu'un ce matin, Dieu lui-même, là, pour rentrer à Cana, il a curé le peuple d'Israël, il a purifié ce peuple-là. Il y a eu deux personnes qui sont rentrées à Cana, deux de l'ancienne génération. Il y a eu Jésus et Caleb. Qui s'en fout? Et c'est l'excellence des gens de qualité qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas la foule.
Non, c'est parce que tu cherches. C'est pour ça que quand Dieu, quand Jésus devait combattre mendiant, Dieu a amené et dit, regarde, ceux qui vont lécher comme ça l'eau, ne les prends pas. Ceux qui vont prendre l'eau, boire, puis regarder, tu peux les sélectionner. Il y avait plus de 2000 personnes, il a sélectionné 300 personnes. Comprenez? Dieu n'est pas dans la multitude, c'est dans la qualité. Amen. Et la qualité, c'est dans le comportement. D'abord, on est d'abord chrétien avant de servir Dieu. Et quand on dit chrétien, ça c'est un mot qu'on a donné le jour Antioche. Sinon, Jésus nous dit, t'es symbole de discipline. Quelqu'un qui est discipliné, qui sait ce qu'il veut, et qui respecte Dieu, et qui ne fait pas ce qu'il a envie de faire, et qui dépend des lois de Dieu. Cette personne-là, elle est chrétienne. Cette personne-là, on l'appelle chrétien parce que la personne-là a la vie de Dieu en elle. Elle reflète l'image de Jésus. Et sa présence que Dieu t'appelle à son service. Amen. Sinon, si tu ne respectes pas ça, il sera difficile. Il sera difficile d'aller très loin avec Jésus. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Nous remercions surtout le Seigneur pour beaucoup de choses qu'il a fait durant l'année 2014 au travers de nos mains. Et surtout dans la région de Iré, la ville de Iré, même si d'autres personnes ne le connaissent pas, ça c'est une victoire sur la mort. Oui, c'est notre combat que nous menons. Pour nous, l'homme a droit à la vie. Hein, l'homme a droit à la vie. Il y a des personnes qu'on appelle les sorciers, qu'on appelle mangeurs d'âme. Leur nom, c'est mangeur d'âme. C'est parce que les gens peuvent le dire. Quand vous savez que quelqu'un lui mange âme, il va toujours s'alimenter. C'est vrai, sorcellerie, ça ne fait pas peur. Mais en réalité, leur vrai nom, c'est des mangeurs d'âme. Donc, eux, ils ne font qu'enterrer des familles. Ils sont quelque part dans une région, mais pas pour les combattre. C'est pas possible. C'est ce qu'ils disent aux gens dans les débats, on les appelle mangeurs d'âme. Oui, c'est en français, c'est écrit, c'est pas dans la langue, pété, ou un dollar. C'est écrit en français, on les appelle les mangeurs d'âme. Donc, ils sont là pour manger les âmes. Et âme, vous savez dire dans l'Évangile 17, verset 11, nous dit c'est dans l'âme. Surtout le sang. Le sang se trouve, et l'âme se trouve dans le sang. Donc c'est comme des vampires. Ils se nourrissent de l'âme pour renouveler leur pacte, leur force. Et ils sont là partout. Ils sont dans les familles, ils sont dans les maisons. On les appelle les mangeurs d'âme. Ils devront les combattre. Et généralement, là où ils sont combattus, il y a la victoire sur la mort. Amen. Là où on les combat, il y a toujours la victoire sur la mort. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui, ça nous donne raison aujourd'hui. À la grâce de Dieu. Nous avons eu la victoire sur la mort. Qu'est-ce qu'il dit aux gens de Brock? Vous ne savez pas ce que Jésus a fait pour vous? Comment l'Esprit de Dieu m'a amené à affronter le dragon? Les gens disent, à cause du petit serpent, souvent les gars des commentaires que les gens font, oui, ça me fait souvent rire. Oui, parce qu'on m'attaque souvent, c'est pas tout le monde qui va apprécier tout ce qu'on fait. Et à cause du petit serpent, tu fais malin, tout ça. On a vu sur le coup que le commentaire est sataniste. Parce qu'il y a des fils du diable qui n'ont jamais apprécié l'œuvre de Dieu. Voilà. Parce qu'avant de parler, il faut d'abord savoir ce qui s'est passé réellement. Il faut avoir une information. Il ne faut pas se baser sur la réalité pour parler. Il y a d'abord une révélation donnée. On dit j'ai un dragon. Hein, j'ai un dragon. Et j'ai dit aux gens, je viens de détruire. Et j'ai dirigé l'opération selon l'esprit de Dieu. Jusqu'à ce qu'on abatte les serpents et les sorties. Moi, ce n'est pas un petit serpent. C'était l'esprit qui était là. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il y a demandé aux gens de croire. Est-ce qu'il y a eu des morts? Non. Vous avez une personne à la mort? Non. C'est la victoire sur la mort. Amen. Également, c'est à Zaroko, c'est pareil. Donc, dans cette région, nous avons fait beaucoup de choses. Et ce qui m'a me réjoui, c'est que l'État entend de refaire la voix de Doudoko. Amen. Amen. C'est ce qui est vrai. Qui allait dans ces temps-ci à Zaroko? Qui parcourt la voix de Kibo à Iré? Ils sont en train de refaire cette fois. Parce que nous avons besoin de notre sujet de prière. Nous avons toujours prié, Seigneur, étends ta main. Combien de fois ça va gâter ma voiture? Quand il pleut, ça devient lac. La voiture rentre, ça va arriver. Si ça doit faire 4 tours par semaine, imaginez-vous l'eau dans le moteur en train de faire. Donc plusieurs fois, ça gâche ma voiture. Donc c'est l'ordre de notre prière, puisque la Bible même, on dit, la route précède le développement. S'il n'y a pas de voie quelque part, il n'y aura pas de développement. Et surtout ça, nous savons que le diable est anti de développement. Aujourd'hui, c'est la victoire. Quand je vois chanter le refrain, la voix de l'Ibo à Iré, c'est une victoire. Amen. Voilà, ça veut dire que réellement, le travail a été fait. Si
C'est comme notre président dans la région de Fresco. Lorsqu'ils ont commencé le combat à Fresco, ça a porté à Fresco. Celle qui dégradait la côtière Couparon, elle a fait des enfants. Elle était perdue, la ministre de la côtière, elle avait des nations prophétiques. Et moi je savais qui était la base de cette dégradation de la voix de Iré, de Didoko, tout ça. La personne a parlé à Zaroko. Elle a parlé à faire des enfants. Sauf qu'il y avait trois personnes qui dégradaient ça. Aujourd'hui, l'État va le faire. Il va le faire sa foi. C'est une victoire. C'est une victoire. Ça vous dit que notre présence là-bas a apporté beaucoup de choses. Et c'est un bilan. Quand on regarde tout ça, on dit, mais Jésus est vraiment Seigneur. Et ça nous donne raison de continuer de faire ce combat. Parce que vraiment, d'autres peuvent vivre. Malheureusement, il y a d'autres qui ont d'autres mauvaises intentions, qui cherchent à éliminer des personnes, qui sont des braves valides, qui doivent apporter beaucoup de choses à notre Côte d'Ivoire, qui doivent apporter beaucoup de choses à ta famille, qui doivent apporter beaucoup de choses à la nation. Malheureusement, ces personnes sont des cibles des sorciers, qu'on appelle mangeurs d'âme. Moi, maintenant, j'ai changé leur appellation. Quand je serai devant partout, les gens disent sorciers, ça guérit aux gens. J'ai dit, je suis le combattant de mangeurs d'âme. Amen. Oui, c'est vrai. Quand vous avez dit ça, les gens ont commencé à prendre le sujet au sérieux. Parce qu'ils comprennent tout la sorcellerie, ils voient que les gens pratiquent le fétichisme. Oui, vas-y, tout cela c'est. Mais quand on parle de mangeur d'âme, c'est ce que nous combattons d'ailleurs. Ceux qui sortent la lutte, qu'on appelle souvent là, vont aller manger. C'est des mangeurs d'âme, ils sont partout. Amen. Amen. Ils sont partout. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur parce que nous avons déjà délivré 5 000 sorciers délivrés. Amen. Depuis 2006, le combat, nous comptons tous. On dit, mais tu arrives ici, quand tu es délivré, d'accord, c'est vraiment notre. C'est une victoire. 5 000 sorciers délivrés de l'homme. Un sorcier peut être délivré. Amen. Amen. On peut le délivrer parce qu'il est possédé d'un démon. Il a des démons en lui, on peut chasser le démon. C'est possible qu'il soit délivré d'un esprit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'église que nous sommes, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Amen. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Dans Marc, comme il disait Marc 16, à partir du verset 17, à mon nom, ils chasseront les démons. Il faut être en mesure de chasser, de sortir des possédés. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Il y a un démon en lui qui pousse l'individu à manger. C'est qui en lui qui mange les âmes. C'est pas que quelqu'un, personne perd la raison. Quelqu'un devient folle, une personne devient folle. Vous allez voir tout de suite, la personne va commencer à manger dans les poubelles. Elle va plus raisonner comme tu raisonnes. C'est comme ça un sorcier. Une fois, la personne a l'esprit de la sorcellerie. Il n'a pas le raisonnement humain. Démoniaque. Comment chercher à détruire? Comment chercher à lui? Parce que quand on a le démon, on détruit. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, dès ce soir, écrivez sur votre feuille, écrivez sur une feuille, écrivez tout ce que vous ne devez pas voir en 2015 dans votre vie. Amen. Hum? Écrivez ça. Amen. Amen. Vous prenez ça dans la main gauche. Vous parlez sur ça. Ça, telle chose ne va plus m'arriver. Je ne dois plus voir ça en 2015. Vous voyez, vous sortez de votre maison. Souvent, on met qu'on appelle les chaussures. C'est ça qu'on a mis comme ça. Les sous-pieds. Les sous-pieds. Non, on met ça devant les portes. Les sous-pieds. Non. C'est pas ça. Bon, on dit les sous-pieds. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Moi, je suis prophète. Je vous donne l'inspiration que j'ai reçue de la part de Dieu. Vous prenez mes dédas sur le supplier en bas. Et vous revenez là-dessus. Parlez. Pourquoi? La Bible dit que nous avons le pouvoir en ce moment de marcher. C'est une action, hein? De marcher. Si les scorpions, les serpents, c'est toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Vous devez marcher. Quand vous vous levez de votre lit, allez parler la chose. Et c'est sur les sous-pieds que vous parlez la chose. Maintenant, le 30e, pour ceux qui ne seront pas là, d'accord, le 30e, reprenez dans la main gauche, qui les prend à partir d'être moins 10, commencez à parler. Vous dites ça, telle chose, vous le lisez, et vous parlez, regardez le ciel, commencez à parler. Telle chose ne va plus
accompagné en 2015. Dès que les horaires sont déchirés, c'est fini. Vous avez réglé votre problème. Donc je reprends. Je ne sais pas si on a bien saisi. On n'a pas bien saisi. C'est comme ça, nous les Noirs. Nous les Noirs, on répare 10 fois. La soeur est fatiguée. On fait tout à la fois. Il faut préparer du charbon, on va voir si Fago, ça rentre dans l'oreille, fumée. Tu peux reprendre? Ok. Une action prophétique dès ce soir. C'est-à-dire, avant de te coucher, voilà, maintenant tu peux écrire, mais avant de te coucher, comment tu as parlé, tu prends la main gauche, tu écris la feuille. Je ne verrai plus les problèmes de tel blocage, parce que l'année passée, il y a eu tel blocage dans ma vie. J'ai eu problème de mort, les gens sont morts autour de moi. J'ai vu qu'il y avait telle chose, telle chose, telle chose. J'ai vu que telle chose est bloquée. Ça ne va pas m'accompagner en 2015. Vous écrivez. Tout ce qui est négatif, hein, il ne doit pas vous suivre. Parce qu'en vrai, c'est une traversée. Amen. Oui. Quand Dieu devait faire entrer Israël à Cana, il a fait périr tous ceux qui ne pouvaient pas entrer à Cana. Amen. Et quand vous écoutez l'ange parler, l'ange a dit à Jacob, prenez la Bible, s'il vous plaît. Prenez la Bible, chapitre, Genèse, le chapitre 32. Verset. 32, le verset 27. Je vous aide, on fait la lecture. D'abord, on va commencer par le verset 26. On dit amen. Amen. Voilà. Et les témoignages. On t'a rendu un grand témoignage à venir pour la petite. Elle était miraculeusement guérie. Donc oui, elle était miraculeusement guérie. Elle ne marchait pas. Elle était paralysée, la petite. Tout à l'heure, on va arriver au témoignage. On a versé seulement de l'huile si elle part. J'ai oublié, c'est la dîner quand elle est venue. Voici la fille. Paralysée, pensait qu'il était la main d'Égypte. Et Jésus-Christ l'a guérie. Allons-y. Il dit. Laisse-moi aller. Car le roi s'élève. Amen. Laisse-moi aller. Car le roi s'élève. Il va revenir encore sur le roi. Mais là, il s'agit d'une nouvelle année. Laisse-moi aller parce qu'il y a une nouvelle année qui s'annonce. Amen. Laisse-moi. Il s'agit là d'une lutte de Jacob avec l'ange. On appelle l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est le symbole de Jésus. Tout parce que vous voyez l'ange de l'éternel, on parle d'image de Jésus. Ce n'est pas à tout le monde qu'on a trouvé l'ange de l'éternel. Comprenez, l'ange de l'éternel, c'était l'image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle la théophanie de Dieu en théologie. Dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, il y avait l'image. Tel que l'ange de l'éternel, c'était l'image de Jésus. L'ange dit, laisse-moi aller, car l'aurore arrive. C'est un combat d'ailleurs, parce que l'aurore, c'est ce qui fait la transition de la nuit au jour. Amen. Une nouvelle année avant de s'annoncer. C'est un combat. J'aimerais que beaucoup de choses se passent. Alors l'ange dit, laisse-moi aller, parce que 2015 arrive. Regardez ce que Jacob a dit. Et Jacob répondit. Je ne te laisserai point aller. Que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit. Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Il parlait là de la bénédiction. Bénis-moi. Il dit, mais c'est l'aurore. L'aurore arrive, vous voyez, une nouvelle année attend de s'annoncer. Nous voulons être bénis. Mais l'élément, ce qui a changé dans la vie de Jacob, c'est son nom. C'est des choses qui n'étaient pas correctes que Dieu a mis en ordre dans sa vie. Dieu savait qu'il ne devait pas partir connaître le jour avec ce nom qu'il avait. Parce qu'en réalité, c'est le nom-là qu'on appelle vaurien, mauvais, qui apportait une malédiction dans sa vie. Amen. Le nom Jacob est dit trompeur, vaurien, mauvais. Bénis-moi. Mais quel est ton nom? Nous voulons affranchir, passer l'étape de 2014-2015. Ce dont Dieu a besoin de ta vie, ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer, c'est ce qui va intéresser le Seigneur. Amen. Ce qui fait que tu n'arrives pas à rentrer dans la grâce,
C'est ce qui va intéresser le Seigneur. C'est ça qui va se pencher d'abord. C'est ce qu'il a dit, quel est ton nom? Amen. Amen. Ton identité spirituelle. Le diable est venu te donner une image. C'est une image que tu portes. C'est quelque chose. Peut-être qu'on t'appelle célibat. C'est célibataire peut-être. C'est comme ça le diable t'a réglé. Quand la vieille dit non, c'est moi qui ai fait qu'elle n'arrive pas à avoir un mari. C'est ça? On te voit s'affairer. Deux filles disent non. Mais les gens ne me disent même pas. Les gens ne me regardent même pas. Vous savez, on me regarde même pas. Dites-moi, vous regardez pourquoi? C'est une télévision, vous faites. Personne ne m'appelle. Ça qu'ils ont tout réglé. Chez eux, ils t'ont réglé, ils ont mis le célibat dans ta vie. Ils ont semé des choses dans ta vie. Et tu marches avec ça. Et c'est ta nouvelle identité spirituelle. C'est-à-dire que là-bas, là, c'est comme ça. C'est ce qui te représente. Or, c'est le spirituel qui fait le monde visible. Tout est là-bas, fermé. C'est ton nom. Tu vis avec ça, tu marches avec ça. C'est l'échec. Là où les gens te reçus comme des choses. Pour savoir marcher pour les gens, toi, ça ne marche pas. Alors tu dis, l'homme, tu dis, quel est ton nom? C'est ça qui va intéresser Dieu. Ce n'est pas une question de toi être béni. C'est qui vous empêche de rentrer dans la grâce? C'est ce qui nous veut émuler. C'est pour ça qu'il dit au Seigneur, il y a des gens qui ne voient plus, avec lesquels je ne vois plus marcher en 2015. Non. Non, 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 non. Non. C'est pas une question de sentiments. Quand Dieu s'est séparé, excusez-moi, quand Abraham s'est séparé de son neveu, l'homme, il pleure. Mais en réalité, ça a apporté beaucoup de choses à Abraham. Ça a permis à Abraham de voir, de connaître le territoire qu'il devait posséder. Lui, frère, la vie ne joue pas avec ça. Ce sont en 2015, il y aura des séries d'enseignements. Nous allons vous enseigner ce qu'on appelle la vie. Vous aimez trop négliger les choses. J'ai dit aux gens, j'ai revenu sur mon sujet, j'ai dit aux gens, si vous voulez réussir dans la vie, bannissez de vos têtes la négligence. Ce que tu as fait aujourd'hui, dis-toi que tu vas le faire avant de dormir. Si tu ne l'as pas fait, fais l'effort quand tu te lèves de faire. Et notre problème, nous, les Africains, nous avons négligé. Nous avons remettre. C'est ce qui fait que. Il y a ce problème aujourd'hui. Je n'aime pas négliger. Remettre à demain. Et la Bible dit que celui qui remet à demain, tout malheur en chien. C'est notre problème. C'est ça, on aime toujours remettre à demain. Tout se remettre. Et la deuxième chose, vous devez bannir le retard. Le retard. C'est-à-dire, si c'est banni les deux choses de votre vie, c'est fini. La chance va venir comme ça. On t'attend à 8 heures. T'as arrivé à 10 heures. Et c'est fini. Tu as perdu. Vous comprenez? Alors, il y a des choses qui ne doivent pas t'accompagner en 2015. Non. Tu ne dois plus te suivre en 2015. Et c'est clair. L'ange dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et c'est ce qu'il veut noter. C'est telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est ce que Dieu va changer dans ta vie. Amen. Il faut que ta vie soit actualisée. Les vilaines choses ne doivent plus te suivre. En 2015. On peut me dire amen. Amen. On dit amen. Amen. Les vilaines choses ne doivent plus te suivre en 2015. Les choses doivent changer. Le Dieu que nous servons est le Dieu de bénédiction. Dieu est béni. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Vous verrez ça. Quel est ton nom? C'est le nom qui faisait qu'il y avait obstacle, qu'il y avait blocage. Quand quelqu'un commence à marcher avec quelqu'un, quand quelqu'un commence à entrer dans ma vie, je commence à étudier la personne. Et ça, c'est important. J'avais un esprit de discernement. Depuis que la personne est connectée à moi, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Les choses positives et négatives. Quand je constate des choses, il analyse. Quand je vois qu'il y a une négative, il réplique beaucoup. Je dis, dégage. C'est vrai. L'homme n'a pas que son manque de qualité, il a des défauts. Mais ok. Mais il y a des personnes qui sont connectées à toi, tout ce que tu fais échoue. Tout ce que tu fais, et bien, n'apporte rien. Pourtant, quand quelqu'un vient dans ta vie, même si ce n'est pas de l'argent, des idées, quelque chose au moins, tu n'apportes pas comme ça l'individu dans ta vie. Non. La personne a un rôle à jouer dans ta vie. Quelque chose. Si la personne est inutile, il faut te dégager. C'est pas de ça de cette personne. Dieu, même quand tu sais que tu n'as plus utile sur la tête, il te prend rapidement pour t'avoir une serre, hein, qu'on libère à son âme en tant que tel.
on dit paix à son âme. Alors on va faire quoi qu'il mirage, les petits maintenant c'est grave, mets 2 millions dedans, et lui c'est fini. Pour toi c'est fini. Amen. Il y a des choses qui ne doivent pas nous accompagner en 2015. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une question de discernement. Amen. Vous savez, il faut éviter vos histoires et aller s'asseoir partout parler. Non. C'est pour ça qu'il est ici les blancs. Pourquoi les blancs avancent? Ils ne passent pas leur vie en train de parler contre les gens. Nous, on veut s'intéresser à tout. Regarde quelqu'un qui va me dire, franchement, s'intéresser à ma vie, rentrer dans ma vie, je le stoppe. C'est ce que Dalila a fait à Samson. Elle dit, quel est le secret de ton pouvoir? Ton pouvoir vient d'où? Il dit, c'est tellement simple, attachez-moi sur vous, la loi. C'est ça, hein? Elle n'est pas la recherche. C'est pas de l'amour véritable, la recherche d'une information. Ils l'ont attaché. Pas. C'est du fait. Elle est pas chérie, mais tu m'as dit, Mon chéri, tu m'as menti. Jusqu'à il a donné le secret. On peut les chemin. Il a mort. Oui. Amen. Si je ne sens pas que tu veux m'aider, je te donnerai. Et puis, je suis obligé de te partager ma vie. Vous tous êtes prêts. Allez faire des réunions. Des réunions, des parlements des gens, on doit toujours exposer les gens, on doit toujours critiquer. Nous, on aime bien ça. Bien ça. Ce matin, même, je sortais de ma cour. Ma voisine, elle me dit, je viens te voir une minute. Non, me voir une minute. S'il te plaît, je n'ai que le temps demain. Si tu veux me voir, tu viens, tu vas me voir, et tu reçois à 9h, je t'écoute. Allez là, c'est le temps de Dieu qui demande. Je suis sorti dans le midi, pour me voir une minute. Non, ce n'est pas de mon programme. Soyez des gens très organisés. On dit amen. Amen. Les gens même font l'association des gens de l'immeuble. Surtout les gens des quartiers, ce n'est pas mauvais. Si eux disent des choses, ne vont pas dans le sens de la spiritualité, ramenez-le au pas. C'est pour ça que la Bible dit dans le saut, le chapitre 1, ne vous asseyez pas parmi les méchants. Est-ce qu'on peut prendre la Bible? Le psaume chapitre 1. J'ai été grippé toute cette semaine à cause de la poussière. Oh là là. Est-ce que le Seigneur peut me conseiller pour suivre le prophète des vaincus spirituels? Amen. 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 C'est spirituel. Quand je veux marier quelqu'un, il faut bien regarder s'il n'est pas demain vers 10h, 12h. Ah, c'est comme ça. Si tu es marié, femme aussi, vous regardez, si elle est désarmée. Il n'y a pas âme de requin dans sa bouche, ok, tu la prends. Si vos femmes, à vos bouches là, qui est fausse, c'est pas fait coup de poing. Quand ça sort, l'homme tombe à nous. Il cherche comment te blesser. Mais s'il t'a fait sortir, il n'a pas coup de poing. Amen. Alléluia. Oui, alors nous le sommes, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous comprenez? Donc il faut savoir avec qui marche. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et ça, c'est très important. Très important. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Celui qui est mauvais. C'est pour ça qu'on dit c'est un seul poisson qui garde l'autre poisson. C'est un mauvais grain qui garde. Parce qu'il est mauvais là. Ça ne passe pas à gâter ce qui est bon. C'est pour ça qu'on a entendu dire qu'il faut avoir peur de marcher celui qui est mauvais. Parce qu'il risque d'influencer. Malheureusement, ce qui est bon, c'est ce qui influence. Et ce qui est mauvais là, c'est ce qui garde. C'est pour ça que quand tu veux faire un pas avec quelqu'un, il faut être convaincu que c'est avec lui que tu dois faire le pas. Vous m'avez saisi? Voilà. Donc 2015, il faut bien réfléchir autour de toi. Ce n'est pas n'importe qui doit entrer dans les affaires ou faire telle chose. Malgré sa bonne proposition, malgré ce qu'il dit, même s'il pense. Mais il faut être convaincu que ce qu'il dit est vrai. Et puis vraiment, lui, il a pu m'apporter quelque chose. Je suis convaincu. Tu ne te vas convaincu, ne te mets pas dedans. C'est comme ça le mariage. On ne se met pas de mariage parce que mon papa m'a dit de marier avec toi.
Oui, ma mère m'a dit, mon papa m'a dit, tu vas pas progresser. L'amour va se tailler, mais ce n'est même pas l'amour. C'est les gens qui nous ont mis ensemble, c'est tout. Ce n'est pas l'amour. Et plus tard, vous avez vu des choses dans le foyer, vous avez vu qu'il n'y a pas d'amour et tout ça, c'est un problème. Amen. Si tu veux marcher avec une femme, il faut être convaincu que c'est elle. Si tu veux marcher avec un homme, il faut être convaincu que c'est l'homme de ta vie. Sinon, ta vie se cache, ça s'arrête là. On ne dit pas que l'homme a des défauts. On a tous des défauts. Donc, quand quelqu'un me dit, il est bon, il est bien, je commence à avoir fait du mal. Non, c'est moi qui dois constater que tu es bon. Ce n'est pas à toi de me faire dire que tu es bien. Quand quelqu'un me dit, il est bon, tu sais, moi je suis bon. Non, je dis, j'ai qui dit bon. C'est moi qui dois dire, ah frère, viens. Tu es bien, hein. Et puis on est ensemble, vraiment. Celui qui vous dit, il est bon, c'est un menteur. Il ment. C'est un menteur. Un sorcier. Vous n'avez pas vu sortir de la vérité, sorcier ment. Amen. Donc, vous devez constater que c'est elle, ou bien c'est lui de ma vie. Vous ne devez pas jouer comme ça dans toute vie. Non. Sinon, vous risquez de perdre beaucoup de choses. L'ange dit qu'elle est comme. Il y a quelqu'un qui est entré dans ta vie qui a changé le cours de ta vie, dans l'histoire. Il y a quelque chose qui a changé ta vie. Qui a changé ta vie, qui a chamboulé ta vie. C'est de ça dont j'ai besoin. Quel est ton nom? Ton nom ne sera plus Shalom. Ton nom ne sera plus la stérile, célibat. Ce nom-là ne va plus t'accompagner en 2000. Les choses doivent changer. Amen. Ta vie doit être désormais témoignable. Tu dois être un prince de Dieu, une princesse. En regardant ta vie, on témoigne de la puissance de Dieu. Amen. J'ai dit, j'évangélise pas mes voisins. Donc, s'il vous plaît, je suis là, je suis le prophète. Tout ce que je vous dis, Jésus est bon. Lui, c'est pas que Jésus est bon. Vous dites aux gens. Il sait que Jésus est bon. Non, Jésus est mort à Nazareth. Moi, à Barbota, voilà. Il est mort, ils l'ont crucifié, sa mère était la vierge Marie. Il connaît le verset, il dit, Jean 3, le verset, c'est Dieu aimé le monde. Lui, il dit de finir le verset avant toi. Il connaît le verset. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie? Moi, mais pour celui chez moi, on est gâté. Et vas-y, vous suivez, vous comptez. Si moi, il fait mal à lui, je ne suis pas prêt pour rencontrer. On m'emmerde. Oui, parce qu'ils savent que ce qu'il dit, il a guéri ça. Je n'ai jamais gardé le temps dans la main. C'est ça que vous devez dire à Jésus. Il faudrait que Dieu s'en fiche d'où tu es quitté. Il s'en fiche si tu es sorti de parmi les pauvres. Lui, il s'en fout de ça. Il s'en fout si tu ne vaux rien. Il s'en fout de ton passé. Même si tu avais des échecs dans le passé, il s'en fiche de tout ça. Il a fait aux gens qui sont vauriens, qui reconnaissent qu'ils sont vauriens, qui pensent qu'ils peuvent marcher avec Dieu et permet à Dieu de les rendre des champions. Amen. Oui, Dieu peut te faire champion. Toi, tu es échoué. Toi, tu n'avais pas de poisson aux yeux des hommes. On ne te considère pas. C'est de toi que Dieu a besoin. Oui, c'est de toi que Dieu a besoin. Tu ne cherches pas les hommes riches. Lui-même les riches, c'est lui qui donne la richesse aux hommes. Ils s'en fichent de tout ça. Alors, demandez à Dieu de vous bénir. Demandez à Dieu, le cinquième évangile, que ça soit ma vie. Je dois être le cinquième évangile. C'est-à-dire, en me regardant, qu'on me suive à l'église tranquillement. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Et ça m'a prié chaque jour devant Dieu. Je dois être témoignage. Amen. Vous devez être témoignage. Ah, c'est ce que la Bible a dit. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Vous allez recevoir une puissance. Celle qui vient du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Comme vous lisez Actes chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins. Amen. Témoignez d'abord de Jésus. Il faudrait que toi-même tu aies un témoignage. Quel est le témoignage que tu partages pour rendre ton évangile vivant? Si tu n'as rien vécu comme témoignage, il sera difficile pour toi de témoigner que Jésus est puissant. Moi, aujourd'hui, je peux crier haut fort que Jésus guérit les malades. Parce que j'ai été malade, Jésus m'a guéri. C'est pour ça que j'ai ma confession. J'étais malade. C'est ma confession, c'est moi qui ai proposé ça. J'ai vu ça. Quand je chante ce chant, j'ai vu ça. Parce que je sais que Jésus est puissant. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui ne doivent pas nous accompagner en 2020. Alléluia. Dieu amen. Dieu amen. Amen. La pauvreté ne doit plus te suivre. Amen. Oui. C'est le plus vilain des démons. Vous laissez sorcellerie, hein? On attaque sorcellerie, c'est vrai. Mais eux, ils se servent de ça pour t'attaquer.
la pauvreté. La pauvreté, c'est un vilain démon. Qui c'est là? Celui qui se passe là, il va sortir de la salle. On veut que le chasser, le chiquer, l'apprendre, chiquer. Qui c'est pas que son pauvreté, c'est le sorcellerie? C'est le vilain démon. Amen. Amen. Pourtant, ce Jésus-là, c'est à celui qui appartient la richesse. Amen. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Jésus. Et lui, il dit de vous écrire des livres. Souvent, prenez Dieu au mot. Hein? Tout ce qu'il fait demande, c'est de faire sa volonté. Il dit chercher le royaume des cieux, sa justice, et tout se verra. Tout ça qu'il faut dire à Jésus, c'est l'or et l'argent, là, c'est toi qui as ça. Amen. C'est à toi qui appartient l'or et l'argent. Si moi je n'ai pas ça, comment j'ai témoigné? Pour ça que les juifs, quand je les entends parler, je trouve qu'ils ont trop raison. Ils disent quand quelqu'un est pauvre, c'est que Dieu n'est pas dans sa vie. Vous n'êtes pas d'accord là? C'est depuis qu'il a écouté ce message, il a commencé à attaquer la pauvreté. Oui? Parce que quand quelqu'un est comblé, il a ça, il va difficilement sortir. Si une fille a ça, elle va se faire Dieu. Elle va se faire Dieu. Quand elle regarde que c'est 1000 francs, elle fait la division de 40 000, elle commence à se rendre belle, belle, de façon à passer dans la rue. Tout est pas ça. Elle marche lentement, hein, pour qu'on la paie. On sent qu'elle a même là, en train de gérer les garçons. Il y a des images de filles, quand ils sont avec des là, ces garçons en train de gérer. Là, okay. C'est pas au rang des chèches. Ces garçons en train de gérer. Les garçons, ils savent ça, ils savent. Ils savent. Il y a quelque chose que Dieu a mis en nous. Non, il a été attaqué. Il t'a attaqué, tu mens. Tu voulais. Comment tu vois ça, ils s'attaquent. Tu rentres dedans. Donc, dès que l'argent manque, le diable vient.